Reims, ça revêt le fait que ce soit ses enfants qui ouvrent la fête, les enfants de Bernice. Mais c'est une tradition à laquelle Bernice est très attachée. Et la fête votive, c'est un petit peu la fête de la jeunesse bernissoise. Il y a un passage de témoin ? Non, pas particulièrement, non. Passage de témoin, non, parce que bon, chaque année, il y a de nouveaux jeunes qui font la fête votive avec les anciens. Et voilà, ça se passe très bien. Dis-moi, c'est qui l'architecte de cette paillote ? C'est mon père. Tu en es fier ? Bah oui. Et au niveau du toit, ça assure ? Ouais, toi ça va. Ouais, toi ça va. C'est beaucoup de responsabilités. Ouais, pas faire l'apéro, surtout pas. Alors il y a à peu près une quinzaine de palettes. Du contreplaqué pour le bar. C'est quoi les options ? Alors les options, nous avons un décapsuleur. Cette barre là. Nous avons en haut un tuyau. C'est un brumisateur. On a une poubelle, donc avec My Name is Mouré. Nous avons dans toute la paillote un système d'éclairage qui est juste là. Des emplacements pour les parasols. On a aussi une devise. La devise, c'est verre plein, je te vide, verre vide, je te plains. Ouais. C'est une paillote ou un salon de coiffure ici ? Les deux. Paillote et salon de coiffure. C'est quoi, c'est un pari ? C'est ouais, un pari, ouais. Pari de fête. Mais à la base, tu dois pas avoir trop de cheveux quand même. Non. D'origine, il n'y en a pas beaucoup. J'en ai des fans de Pierre-Paul ! Pierre-Paul en thème ! T'aimes Pierre-Paul ! J'adore tes chemises. Votre moyen de vous protéger, c'est quoi ? Un poteau. Un poteau, votre ami Tamon. C'est le vôtre ? Ah oui, c'est celui, depuis des années. Depuis des années. C'est combien d'années d'expérience pour afficher une telle sérénité ? Oh, ben ça commence à compter, les 50 ans. Arrivé à un moment, on compte plus, c'est fini. Je vous ai dit que je ne bougerais pas. Vous voyez, j'ai pas bougé. Ah, ça a échappé. Ça a échappé. Vous êtes bien là ? Vous ne connaissez pas les taureaux sur ce banc ? Ben non, ils ne viennent pas me voir. Ils savent que si je les attrape, c'est pour les manger. Vous êtes une personne quand même qui ne prend pas trop de risques. Vous mettez en sécurité dès qu'il y a des taureaux qui arrivent. Derrière les barrières. Toujours prudente. Et surtout une barrière avec un arbre dans laquelle on ne peut pas passer en fait. On peut passer, effectivement. Il faut rester devant l'arbre, il ne faut pas jamais se mettre derrière. Il n'est pas être plus gros que le platane. Hein. Il n'est pas plus gros que le platane, tu t'en sors bien. On vous a jamais appris de ne pas monter sur les barres quand même. Eh oui, c'est la fête. Qu'est-ce que vous faites là-haut ? On a eu peur. Très peur. On est bien tranquille au bar pour boire son coup, ça va ? C'est impeccable, chef. Même pendant les abrivades ? Ouais, non, tout bien, on est tout bien ici. C'est un maillot de fête, ça ? Un maillot que la jeunesse fait. Vous êtes sûr ? Ouais. Ah, c'est le maillot du bar, ça ? De la jeunesse et du bar. C'est vous la jeunesse du bar ? Voilà, c'est nous. C'est de contrefaçon vos maillots. Il y a les maillots des fêtes, c'est pas des vrais maillots de fête ça. Tu vas voir la facture. Et vous avez des grosses tailles ? Ouais, non, une double XL maxi. Voilà. Non, une triple. Ça va double XL ? Pour le pharmacien, oui, ça va. Double XL cette année, c'est bon. C'est quoi, c'est un S ? L. L. Ouais. Oh, c'est le bordel, on va voir tout le monde. Genre, refuse. C'est pas réservé aux Bernissois ce genre de t-shirt ? Eh bien écoutez, j'ai une histoire d'amitié avec la fête de Bernice.
Et Rosalie, c'est pas une femme. C'est une voiture à pédale. Et un jour, ils m'ont emprunté cette voiture et ils me l'ont jamais ramenée. Rosalie. Il y a Bernissois qui a créé une marque de vêtements. Comment ça se fait, ça? Bah, tu sais, c'est la crise, quoi. C'est la crise, hein, tu vois. Et pour pouvoir te procurer du produit, il faut vraiment innover. Donc voilà, Kezako est né. Voilà. C'est la marque des Barjons. C'est pas un maillot de 2011, ton truc? Il y a eu un petit problème technique au niveau de la taille. Et du coup, et comme il a dit mon collègue, c'est pas parce qu'on n'a pas le même maillot, et je sais pas quoi, qu'on n'a pas la même passion. Pourquoi faire la fête? Pour s'amuser, pour passer la soirée entre amis. Est-ce que c'est vital? Oui, c'est vital. C'est pas vital, c'est la vie. C'est comme ça. Alors. C'est un partage de moments entre amis. Et encore une bougie soufflée, et encore une année passée. Il y a une évolution, exactement. Les jeunes participent davantage et on prend plaisir à faire la fête. Il faut bien profiter, on est dans le milieu de la Camargue, on profite, on est comme ça. Parce que c'est convivial. Voilà. On se retrouve entre copines? Entre copines. Bon, je suis avec ma mère là, mais bon, c'est pas grave. C'est pas trop physique? Il faut avoir un petit peu d'entraînement, mais bon, on s'y fait quand même. Alors, quand on fait la fête, c'est parce qu'on est heureux, on a besoin de rencontrer des gens, discuter, de ce qu'il y a avec eux, tout ça. Ça fait plaisir, non? Les traditions du midi. Les vachettes, les jeunes qui courent après. Guillaume, tu as perdu ta voix, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas où je l'ai mis. Oh, mais c'est parti d'un coup, hein. C'est quoi, le lac des Connemara hier soir? Je crois que c'est les glaçons. Trop froid? Trop froid. Donc c'est toi, mouette, cette année? Ah, mais j'ai pris la place de mon meilleur ami. Et ouais, la mouette, c'est moi. Oh. Ça te fait quoi d'avoir une sœur? Ah, ça me fait drôle. Hein. Ça me fait drôle parce que normalement, c'était le plus gaillard de la famille. Hein. Ma petite m'a pas reconnu ce matin. Oh. Vous le faites pas ça? Si, bien sûr. Là, je prends une pause. La tête en arrière, c'est possible?
Dans mon état actuel, pas vraiment. Mais tout le reste, ça fonctionne.